service, je suis entouré de toute la grosse équipe de Connectic. C'est votre émission Invité de Prince qui commence. Les 60 piges de littérature camerounaise étaient célébrées, il faut le dire, il y a quelques jours encore au ministère des Arts et de la Culture, lors du lancement du concept qui sera désormais annuel, les étoiles de l'édition camerounaise. Alors, il faut dire, chers téléspectateurs, qu'il y a quelqu'un qui nous a tenu la main lorsque tout le monde trachait sur nous. Et ce monsieur-là est le directeur de la direction du livre et de la lecture au Cameroun, au ministère des Arts et de la Culture. Il est en même temps le directeur du Centre régional de promotion du livre en Afrique, entendu CRIPLA. Monsieur Mbala Elanga Edmond fait des choses en grand parce qu'il a fait confiance à une certaine jeunesse qui ne désarme pas, une jeunesse qui croit au devenir du Cameroun, une jeunesse qui sait que le Cameroun, c'est un pays riche. C'est un pays, on va dire, qui compte aussi sur ses valeureux enfants, filles et garçons. Alors, invité de Prince aujourd'hui, nous aurons un vieux de la vieille extrait de cette production audiovisible qu'on nous avait confiée il y a quelque temps encore, le magazine Regard. Le magazine Regard au Cameroun, unique, qui fait la promotion du livre de son auteur et surtout de la vie de l'auteur autrement. Il faut dire que bientôt un an, la production était un tout petit peu bancale, nonobstant les obstacles qu'elle pouvait rencontrer. Et bientôt, nous revenons en gare. Nous revenons en gare pour continuer notre aventure parce que la production a été confiée à un cinéaste, oui, Monsieur Cyril Massot. Et la présentation a changé depuis que nous avons commencé cette aventure. Au départ, c'était Monsieur Junior Aïssi, puis votre humble serviteur a pris le relais. Maintenant, c'est une certaine Messina qui est également chargée de communication de ce côté. L'homme à tout faire de ce côté, le docteur Campouer, à qui nous disons merci. Aujourd'hui, nous serons avec le professeur, oui, Bokolo Pascal, entendu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui est le président de tout ce qui concerne normalement les associations des livres des éditeurs au Cameroun. Alors, en cette émission aussi, nous serons du côté du Gabon, où nous vous parlerons de quelques informations fraîches de ce côté, parce qu'il y a quelques heures encore, la première dame a fait le déplacement de la capitale Libreville, Gabon, pour une zone qu'on appelle Ntoum. Hein, nous en parlerons dans cette émission, toujours dans cette émission, chers téléspectateurs. Nous vous ferons faire un clin d'œil du côté de Ouaga, où M. Bazemse, ce soir, fera sa scène, qui sera à une 11e édition. Les folies de la mode, en tout cas. Également, toujours dans cette émission, croyez-moi, chers téléspectateurs, beaucoup de surprises, parce que la musique qui va commencer est une signature de Afrobeat Music. C'est un monsieur qui a tenu la main aux jeunes. Il a rendu le rêve des jeunes plus réel. Oui, il n'aime pas quand on parle de lui. Et même quand il est avec 50, 100 personnes, si on vous dit que c'est lui le boss, vous ne pouvez pas le savoir. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre émission avec une dernière sortie, nouveauté nouvelle, du jeune Martins, qui est en featuring avec un grand monsieur, le Rossignol de la musique africaine. Je voudrais qu'on se retrouve juste derrière. Soyez les bienvenus à bord. A tout de suite. Cette fois-ci, c'est foutu. Je ne rêve que de toi. Dans mes yeux, y'a que toi. Je me cherche parce que t'es loin de moi. Combien de gaffes, combien de larmes. Oh, reviens près de moi. Oh, tu sais que je t'ai laissé, c'était par fierté. Écoute mon bébé. Par égo, je t'ai blessé. J'ai tellement de regrets, j'en suis désolé. J'donnerai mon corps, mon cœur et mon âme pour tout recommencer. Sigi, Sigi, je ne sais plus trop, ma vie n'a plus de sens. I just want to wake up. J'aimerais que tout ceci ne soit qu'un rêve. J'aurais jamais dû te mentir, j'aurais jamais dû te blesser. Tu me dis que c'est fini, tu me dis que tu veux plus de moi. Je crois que cette fois c'est foutu.
foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. Cette fois-ci, c'est foutu. Tu sais que tu prends des risques en traînant comme ça. Il te parlait du bisque, mais fais bien ton choix avant qu'il ne réalise qu'il s'en remettra. Dis-moi en toute franchise si c'est fini pour toi. Il a géré tes copines, elles sont toujours là. Dormais chez la voisine, tu ne répondais pas. Rien que t'imagines des bêtises à chaque fois. Faut vraiment t'aimer pour supporter ça. Elle court tout après lui, y'a qu'à toi qui souris. Pas de doute, dis sa chérie. Rajoute pas de soucis, ça lui coûte d'avoir fauté de vœux pour la vie. Réfléchis, réfléchis, ça se voit que tu l'aimes aussi. I just want to wake up, j'aimerais que tout ceci ne soit qu'un rêve. J'aurais jamais dû te mentir, j'aurais jamais dû te blesser. Tu me dis que c'est fini, tu me dis que tu veux plus de moi. Je crois que cette fois c'est foutu. C'est foutu, maman, foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. Cette fois-ci c'est foutu. Baby, j'ai tout gâché. T'étais là pour de vrai, mais moi je jouais. Maintenant je réalise qu'en trésor t'étais. Baby, j'ai tout gâché. T'étais là pour de vrai, mais moi je jouais. Maintenant je réalise qu'un trésor. Cette fois-ci c'est foutu. Je crois que cette fois c'est foutu. C'est foutu, maman, foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. Cette fois-ci c'est foutu. Tu sais que tu prends des risques en traînant comme ça. Il te parlait du bisque, mais fais bien ton choix avant qu'il ne réalise. S'en remettra. Dis-moi en toute franchise si c'est fini pour toi. Il a géré tes copines, elles sont toujours là. Dormais chez la voisine, tu ne répondais pas. Rien que t'imagines des bêtises à chaque fois. Faut vraiment t'aimer pour supporter ça. Elle court tout après lui, y'a qu'à toi qui souris. Pas de doute, dis sa chérie. Rajoute pas de soucis, ça lui coûte d'avoir fauté de vœux pour la vie. Réfléchis, réfléchis. Ça se voit que tu l'aimes aussi. I just want to wake up. J'aimerais que tout ceci ne soit qu'un rêve. J'aurais jamais dû te mentir, j'aurais jamais dû te blesser. Tu me dis que c'est fini, tu me dis que tu veux plus de moi. Je crois que cette fois c'est foutu. C'est foutu, maman, foutu, maman. Foutu, maman, foutu, maman. C'est foutu, maman, foutu, maman. Cette fois-ci, c'est foutu. Baby, j'ai tout gâché. T'étais là pour de vrai, mais moi je jouais. Maintenant je réalise qu'en trésor t'étais qui m'allait. Baby, j'ai tout gâché. T'étais là pour de vrai, mais moi je jouais. Maintenant je réalise qu'en trésor t'étais. Cette fois-ci, c'est foutu.
featuring Martins, il faut dire, chers téléspectateurs, que c'est la fierté de la production au Cameroun. J'ai eu un plaisir énorme, un grand, de travailler avec cette maison, avec ce grand monsieur, pour ne pas le nommer, monsieur Joseph Mbok. Il a décidé comme ça de faire en sorte que le rêve des jeunes soit réalité. Hein? Et il a fait un casting officiel, il a pris les meilleures voix, et un peu comme l'académie, entrer dans une maison et pouvoir avancer dans ce qu'on sait le mieux faire. Les futurs, il en a fait. Hein? Il en a fait. Il y a aussi une grosse pépite de ce côté qui a fait un futurin avec Kofi Olomide. Et là, le dernier futurin, c'est avec le Rossignol. Donc, on fait un clin d'œil à nos amis de ce côté. Ce côté Afrobeat musique, Afrobeat production, qui, il y a quelques jours encore, perdait son directeur artistique. Donc, la maison était endeuillée. Les artistes ne meurent pas. Voilà, ils sont toujours avec nous. Puisque chaque fois, on s'en souviendra toujours de M. Paddy. Aujourd'hui donc, chers téléspectateurs, sachez-le. Également de ce côté, nous avons eu l'immense plaisir et l'honneur d'accompagner le projet, même à distance, on continue à le faire. La seule chaîne de télévision aujourd'hui qui est 100% mode d'abord, c'est la culture, mais d'abord la mode. Parce que de ce côté, la promotrice adore la mode, adore tout ce qui est art culinaire, adore tout ce qui est beau. Donc, les meilleures images en matière de, on va dire, de mode, dans tout ce qui concerne l'industrie de la mode, c'est sur le canal 372, je pense. La chaîne s'appelle African Style. African Style qui, aujourd'hui, est connue et reconnue hors des frontières du Cameroun, pour que les gens sachent qu'il ne faut pas avoir des médias généralistes. Ce n'est pas mauvais lorsqu'on a la politique de ses moyens. Il faut avoir des médias thèmes. Et décider d'accompagner la mode au Cameroun, en Afrique, c'est un challenge énorme. Donc, beaucoup d'événements en vue. Nous sommes bientôt le mois de novembre où nous célébrerons ensemble une autre édition du Forum des métiers de la mode et du design au Cameroun, que nous avons accompagné dès la première heure avec M. Aminou Amadou, qui est l'administrateur de cet ensemble-là, du Centre des créateurs de mode du Cameroun, avec à la tête M. Yves Eya, qui choisit toujours comme directeur artistique une étoile imposante de la mode mondiale, parce que c'est le premier Africain à faire partie de la shortlist des créateurs de mode à Paris. Hein? Paris, c'est la capitale de la mode, si vous ne le savez pas, il faut le retenir. Il s'appelle M. Emmanuel Issi, dont le directeur artistique. Donc, mi du mois de novembre, une autre édition du Forum des métiers de la mode. Nous en reparlerons, évidemment. Et toujours, pourquoi ne pas le dire, chers téléspectateurs, nous serons le 12. Et le 12, ce sera la grande finale d'une autre édition de Miss Cameroun. C'est important. Alors, je peux, si vous le voulez bien, prendre un petit extrait de l'édito du directeur du livre et de la lecture, Monsieur Mbala Elanga Edmond, qui dit 60 ans de littérature camerounaise, un numéro qui fera date. C'est clair. C'est un magazine, il coûte 5000 francs. C'est une histoire, des histoires de ceux qui sont des patrons des plumes, voyez-vous. Alors, juste un extrait, juste un extrait, je l'ai dit. Si vous le voulez bien, chers téléspectateurs, ça se passe en live. Le Centre régional de promotion du livre en Afrique, CREPLA, est né le 11 mars 1975, suite à un décret du président de la République, Amadou Ahidjo. Dans ses missions fondamentales, le CREPLA est investi de la mission de promotion du livre et de la lecture. À ce titre, il est chargé d'effectuer des recherches en vue de la promotion de l'exploitation du livre en tant que facteur indispensable du développement. En outre, c'est dans cette perspective que les initiatives ont été prises depuis 2019, notamment par la création d'un programme audiovisuel baptisé Regard et qui est régulièrement diffusé sur les antennes des télévisions camerounaises et bientôt africaines. Parce que je dois vous le signaler, Regard a eu l'OK pour être diffusé du côté de Niamey, hein, Canal 3 international, donc a décidé de diffuser Regard. Il en a fait écho même au niveau de sa rédaction en disant il faut prendre l'exemple du Cameroun et faire également un autre Regard, pourquoi pas, en version Niamey. Alors, on fait un cap, chers téléspectateurs,
pour un événement qui se prépare et qui aura lieu aujourd'hui avec Monsieur Bazemsi. Ce sera du côté de Ouagadougou. On regarde et juste derrière, on revient à vous. A tout de suite. Bonjour, bonjour. Dure, dure la vie d'artiste. Et n'est pas artiste qui veut. Force et courage à toi, Sébastien Bazemo, dit Bazemsi, pour la 11e édition de ton événement Folie de la mode. C'était moi, Rose Bombo, modéliste du vêtement depuis Paris. Au revoir et bonne journée à tous. Bonjour, c'est Pascaline Cabré-Turmel, la promotrice du carrousel international de la mode. Un coucou à mon frère Sébastien Bazemo pour Folie de mode 11, la mode pour un Burkina Debou. D'ailleurs, un thème très bien choisi, surtout par rapport au moment difficile que nous vivons actuellement. Un pays en crise, mais une population qui reste forte malgré vent et marée. Ça se passe ce samedi 29 octobre du côté de Ouagadougou au centre aéré de la BCAO. Si vous êtes du côté de Ouagadougou, surtout ne manquez surtout pas ce moment magique. Bon festival à tous. Ciao, bye bye. Bonjour, peuple africain. Et d'ailleurs, ce samedi 29 octobre 2022 se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso, acte 11 de Folie de mode. Chers frères Bazemsi, au nom de tous les créateurs de mode béninois et en mon nom propre, je te dis félicitations pour cet événement panafricain depuis 11 ans. Force à toi, chers frères, et demain, ça sera une grande fête du côté de Burkina Faso. Et que vive la mode africaine, je vous remercie. Bonjour, je suis Constantin Akepou, directeur artistique à Asano Communication et Innovation Africaine. Je profite de l'occasion pour saluer encore et encourager Sébastien Bazemo pour Folie de mode 2022. C'est pas facile d'être un créateur, c'est pas facile d'être promoteur d'événements. Mes encouragements depuis Cotonou. Et pour tous ceux qui sont à Ouaga, rendez-vous à Ouaga 2000 pour vivre cet événement. Alors, depuis le Cameroun, depuis notre musée national, hashtag Bazemsi pour tout ce que tu fais pour la mode en Afrique, hein, soutien total du Cameroun. Nous sommes avec vous et nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de bon, de mieux concernant ce que vous faites dans la mode. Donc du Cameroun, depuis le musée national, hein, soutien total, Bazemsi, un pays que tu connais, le Cameroun. Ciao, ciao. Donc sur le plateau aujourd'hui, chers téléspectateurs, ça se passe dans quelques heures seulement, du côté de Ouaga, 11e édition de Folie de la mode avec Bazemsi. Il faut dire que Bazemsi, c'est un créateur qui connaît très bien le Cameroun. Hein. Il est venu plus d'une fois à Yaoundé lors des Cameroun Fashion Awards organisés par M. René Coq de Regretter Mémoire, un autre artiste. Comme on dit généralement, les artistes ne meurent pas. Donc Bazemsi, c'était aussi à Douala. Donc c'est quelqu'un qui a porté comme un père, la promotrice, si la technique le veut bien, comment ça va se passer avec les images. C'est lui qui a porté la promotrice qui l'a signalé, Pascaline Cabré-Turmel, comme sa fille. Parce que Cabrel a été d'abord mannequin professionnel. Aujourd'hui, Pascaline Cabrel fait un événement du côté du Congo Pointe Noire qui fait date. Cet événement d'ailleurs prépare la 9e édition. La 9e édition du carrousel international de la mode qui va se dérouler le 2 décembre. Vous vous poserez la question de savoir mais pourquoi Prince, il parle toujours mode. Chacun son couloir. Nous sommes dans le couloir de la mode et nous sommes dans le couloir des industries, on va dire, créatives, voilà, et surtout aussi le développement de tout ce qui est mode en Afrique. Donc, je voudrais vous signaler, chers téléspectateurs, qu'au Cameroun, c'est pas facile, comme partout, c'est pas facile, ne suivez jamais les choses faciles, surtout quand il y a un obstacle, c'est en ce moment-là que vous devez continuer à foncer. Donc, Bazemsi, aujourd'hui, dès 19h, ça se passera
du côté de Ouaga. Ce sera la 11e édition, une édition que nous saluons. Vous avez vu la vidéo qui a été faite par un professionnel, Constantin, du côté du Bénin. Et la première personne qui était en image, c'est une Camerounaise qui est modéliste du vêtement. Elle s'appelle Rose Bombo. C'est une Camerounaise, évidemment. Et je vous dis, chers téléspectateurs, cette Camerounaise est fureuse de ce qu'elle sait faire. Elle a travaillé dans les grandes maisons Dior, Yves Saint Laurent, Cardin. Et elle a des astuces concernant le vêtement. Elle a décidé donc de partager son savoir-faire avec ses petits frères et petites sœurs d'Afrique, du continent. Elle sera fière quand peut-être les choses prendront une autre vitesse. Je voudrais, si vous le voulez bien, inviter le prince que nous rentrions en contact avec quelqu'un. Nous avons eu à la voir. Il est du côté de l'Allemagne. On l'appelle Tival. On regarde. Nous allons à la rencontre de notre artiste camerounais qui est du côté de l'Allemagne, monsieur Tival. D'entrée de jeu, bonjour Tival. Est-ce que vous pouvez nous dire un temps soit peu, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la musique? Bonjour. Il faut dire que je n'ai pas eu une formation classique de la musique où quelqu'un va dire qu'il a eu tel diplôme comme ceci. Je me rappelle comme jeune garçon déjà que je m'exerçais à fabriquer mes propres balafons. Mais c'est essentiellement quand j'ai... Je suis arrivé à Yaoundé et j'ai fait la connaissance de mon frère et ami Martin Wonaklo, qui lui était au collège Vogt et jouait du piano. C'est lui qui va donc m'initier à la lecture musicale et moi je voulais faire la guitare basse. J'ai aussi fait la connaissance d'un autre ami, lui Roger Godjon et son cousin Eli Chencher. Donc à quatre, on va vraiment se mettre ensemble pour apprendre la musique. Et comme j'aimais la manière dont Roger faisait les arpèges de guitare, et surtout j'avais compris que pour faire la guitare basse et surtout composer des musiques, il fallait connaître de l'accompagnement. Alors je m'étais aussi mis à apprendre la guitare, accompagnement, et pour mieux faire l'arpège, j'ai donc commencé à apprendre la guitare classique. Au moment où je viens de mettre à disposition du public mon premier album intitulé Sung et Kam, je voudrais ici apporter quelques réponses à des questions que certaines personnes se posent. Tival Epsi est né à Malmigny. J'ai fait l'école primaire de Malmigny, le CES de Gaumont, le lycée bilingue de Yaoundé et l'université de Yaoundé. Dans les années 90, j'étais basé en Balmayo. En 97, je suis parti du Cameroun pour la Côte d'Ivoire et depuis 2003, je vis en Allemagne. Maintenant, vous avez fait Yaoundé, vous avez fait Balmayo. Rentrez un peu dans les détails, Tival, pour nous présenter ce que vous faites. Alors, je me rappelle déjà, étant jeune garçon, que je m'exerçais à fabriquer mes propres balafons. Mais c'est essentiellement quand je suis arrivé au secondaire où j'ai fait la connaissance d'un frère et ami, Martin Claude Wona, qui lui il était au collège Vogt, pianiste. C'est lui qui va donc m'initier à la lecture musicale et à la guitare basse, puisque moi je voulais faire de la guitare basse. En même temps, j'ai fait la connaissance de deux autres amis, lui, Roger Godjon et Eli Chencher. On va donc se mettre ensemble vraiment à étudier la musique. J'ai admiré la manière dont Roger jouait les arpèges de guitare. Et comme j'avais aussi compris que pour être bassiste et compositeur, il fallait connaître de l'accompagnement, je me suis donc mis aussi à prendre la guitare. Et surtout la guitare classique. Et la vie en Balmayo, ça a été facile, hein? Les familles, vous parlez du docteur et monsieur Limis, Emmanuel, et vous parlez surtout aussi du Sénac. Ça s'est passé comment? Dans les années 90, je suis basé en Balmayo et je fais donc la connaissance d'un autre frère et ami, Emmanuel Limis Oum. Alors c'est une famille de très très bons musiciens et nous allons donc monter un groupe ensemble.
Et comme le CENAC était aussi présent, le Centre d'animation culturelle de Mbalmayo, je vais donc profiter de ce cadre-là pour m'exercer à faire toutes sortes d'arrangements possibles, puisqu'on avait tous les musiciens possibles et chacun venait avec sa diversité. C'était ça le but du CENAC. Et là, donc, je fais aussi la connaissance de notre aîné, paix à son âme, Alphonse Sahel, qui lui aussi va m'apporter beaucoup dans ce qui est de l'oreille musicale et surtout de l'harmonisation jazz. Sans oublier sur Jacques, qui était un aîné au saxophone et qui avait de l'expérience dans l'interprétation des anciens rythmes comme les boléros, cha-cha, rumba et les vieilles chansons françaises. Alors toujours dans les années 90, Monsieur Charles Aben a créé la chorale Christ Roi, la chorale classique de la cathédrale. J'y suis entré comme choriste, mais comme je lisais de la musique, je me suis retrouvé à la fin comme maître de chœur. Et lorsque Monsieur Aben avait vu les difficultés que j'avais à solfier les morceaux avec armure compliquée, c'est-à-dire avec beaucoup de dièse ou de bémol, c'est lui qui va donc m'expliquer et va me montrer la méthode de transposition. Alors il venait de m'ouvrir une porte qui va me permettre de manipuler toutes les gammes avec aisance, avec ce système de transposition. Alors, comment est-ce que vous pouvez parler de votre musique? C'est quoi votre écriture musicale, Tival? Alors toujours à la chorale, il y avait aussi M. Pierre Semin qui était professeur de mathématiques au lycée de Mbalmayo, qui était donc notre organiste. Lui et moi, nous allons nous intéresser à l'harmonisation classique et nous allons donc nous mettre vraiment à étudier l'harmonisation classique. Toujours à la cathédrale, je faisais aussi partie de la chorale grégorienne sur la formation de lui regretter aussi Monsieur Herman Owona. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours d'exercer dans ce domaine musical, musique grégorienne, ici même à la cathédrale de Fribourg. Je suis aussi membre de la chorale classique. Ok, d'accord. Selon vous donc, est-ce que il suffit seulement de faire la musique, ou alors on a des atouts lorsqu'on sait également la lire et l'écrire? Tival. Au CENAC, nous devions tous nous remettre sur les instruments avant. Et moi, j'avais choisi la flûte traversière. Et par chance, il y avait un Italien de 60 ans qui était professeur de céramique à l'Institut des Arts, au Centre de promotion sociale. C'était un excellent flûtiste. Et c'est lui qui va donc se mettre à nous former à la flûte traversière. Vraiment, je dis, c'était une chance et un pur hasard qu'il soit là. C'est lui qui va surtout me mettre à la grande formation de la lecture rythmique que j'exploite encore jusqu'à aujourd'hui. Cette ouverture d'esprit dans le rythme m'a permis de comprendre que tous les rythmes du monde peuvent être disséqués. Évidemment, les rythmes, nos rythmes traditionnels. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'écrire mes musiques et de pouvoir les rendre soft et les rendre accessibles à toutes les cultures, à tous les musiciens du monde. Ok, d'accord. On va donc passer, et ce serait un peu le récap de tout ce qui s'est passé comme échange avec vous aujourd'hui. On regarde.
tino ya mbuwa zwa toma Obo nwama, obela gata mafa Ambo zama manu ya maki Yeah, yeah Ama zama, obo nantaro Yeah, yeah Nala zama, olo nantan Yeah, yeah Ama zama manu wa mikiga Apa bia nisele magangina e Ambo zama ko ya mamos Omna nwama, madu netega ye nangalu ngamos Mamano yamaki Leopold Kamini wapo Owa mantaro Kala zama Olo mantan Zambala Ala Owa mikiga o Chers téléspectateurs, merci à Epsi. Epsi vous a raconté son histoire, nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est ce que nous disons toujours, où que vous soyez, nous serons toujours à vos côtés. Et ce n'est pas un travail fait au pif, c'est un travail de longue haleine, il faut le dire, chers téléspectateurs. Donc nous avons, comme dirait un grand frère, au moins 5000 heures en boîte d'émission, en tout cas. Pour dire, chers téléspectateurs, que nous, on accompagne toujours les bonnes initiatives, n'hésitez pas de prendre la tâche avec nous. Je vous annonce déjà, notre invité, la semaine prochaine, ce sera l'attaché de presse d'un événement culturel du 7e art qui fait désormais date. Hein? Nous étions à Miami et on aurait dit que c'était la 10e édition de la Zemmain du cinéma, qui est un festival. Et lui, il injecte la télévision dans le streaming, dans le nouveau cinéma. C'est aussi vrai, j'ai l'habitude de le dire, les puristes du cinéma ne font pas bon ménage avec les puristes de l'audiovisuel. Et celui qui a été le parrain d'une des éditions du festival Yara nous l'a confirmé. Aujourd'hui, le cinéma est obligé de faire aussi avec la télévision. Il y a très longtemps, tout ce qui était numérique ne passait pas au Festival de Cannes, par exemple. Mais depuis un bon bout, le cinéma numérique est accepté. Hein? Il est accepté et il faut en profiter au maximum, chers téléspectateurs. Donc, nous saluons dans cette initiative qui sera la 3e édition, la Zemmain du cinéma. Et il faut dire que M. Aziz et M. Moukoko, bref, toute l'équipe, Gwendy, je l'appelle ainsi, c'est une petite équipe qui fait des choses merveilleuses, voyez-vous.
La première édition a commencé au Cameroun. La deuxième édition, ça s'est passé à Niamey. Tic-tac, bientôt, vous saurez où est-ce que nous ferons. Quand j'ai dit nous, c'est que nous accompagnons cela. Parce que M. Moukoko nous a dit, Prince, votre façon de faire, on doit le faire. Et nous sommes arrivés à Niamey. Nous avons fait le 20h à Niamey. Hein? Tatiana Matip, qui pour certains au Cameroun ne savent même pas qui elle est, une talentueuse artiste qui fait plein de choses dans le cinéma, a fait également le 20h. Qui pourrait inviter Tatiana Matip au Cameroun au 20h? Je ne sais pas, mais ce n'est pas encore, une partie perdue. On espère que les prochaines éditions... Comme information aussi, notez que la prochaine édition du Yara Festival, qui devait avoir lieu au mois de novembre, a été renvoyée en janvier. Peut-être un de ces quatre, nous aurons la promotrice de ce festival qui nous dira un peu les enjeux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'organiser. Hein? Ce n'est pas facile d'organiser. Nous le savons et c'est pour ça que nous accompagnons tout ce qui est bonne initiative. Cap maintenant, chers téléspectateurs, Gabon. C'était hier à Libreville, mais alors à Toum. Parce que c'est à Toum que la première dame du Gabon a fait une descente. Hein? La première dame du Gabon a lancé hier le mouvement Gabon Égalité, qui comprend 33 mesures, dont la plus est connue. Le but est connu, surtout il est de lutter contre les violences faites au genre. Quand on dit genre, généralement, c'est les femmes, c'est les enfants. Le genre ici s'entend comme les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. La première dame était accompagnée hier du côté de Toum avec madame le premier ministre, madame le ministre de l'éducation nationale, madame le ministre du travail et de l'emploi, madame le ministre de la justice, messieurs les ministres de l'intérieur, celui de l'enseignement supérieur, celui de la santé. Chacun de ces ministres avait pour tâche d'expliquer les mesures convenues dans la charte, contenues dans la charte, hein, en rapport avec son département ministériel. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance fantastique. Des stands avaient été érigés à l'occasion. Il faut dire, chers téléspectateurs, que cette initiative de la première dame du Gabon est à saluer. En effet, le Gabon Égalité est un programme gouvernemental visant à soutenir les femmes gabonaises et surtout à favoriser leur émancipation. Ce programme traduit la volonté du chef de l'État de connaître le rôle, de reconnaître le rôle central des femmes dans la société, l'économie et le développement du pays. Grâce à l'engagement de son épouse, donc, Sylvia Bongo Odimba, qui, après avoir sillonné le Gabon depuis plus de 10 ans, et rencontré les hommes et les femmes, surtout aussi des filles, de toutes les couches sociales qui composent ce pays-là, dont le Gabon tout entier, et qui n'ont pas hésité à lui ouvrir leur cœur, souvent meurtri. Alors, celle-ci avait pris l'initiative de constituer un comité de pilotage dont l'objectif est désormais de reformer et en profondeur les droits des femmes au Gabon. Donc, c'était une cérémonie très, très riche en couleurs, chers téléspectateurs. Et c'est des initiatives que nous, on encourage aussi. Aussi comme notre première dame du Cameroun fait des très, très bonnes choses. C'est important que ces premières dames-là soient en synergie, soient en symbiose avec les populations, surtout des couches sociales, on va dire, défavorables. Et de ce côté, nous avons apprécié, comme vous voyez bien, la robe faite en paille par la créatrice qui a fait la scène ici au Cameroun, Angelina Création. Et il faut dire que on a exposé le paille, hein? La paille, je veux dire, tout ce qui est dérivé du raffia. Et c'est un projet fort louable que le comité d'ailleurs de Miss Eco Gabon, à la fin, nous vous passerons la vidéo qui relance les activités du côté du Gabon. Parce que la première dame a dit, on va le faire. Oui, c'est la beauté, mais surtout l'initiative, d'abord sociale, voire sociétale,
pour le développement de l'artisanat de ce côté. Donc, nous aurons des informations concernant Miss Eco International avant la fin de cette émission, parce qu'il faut le dire, au Cameroun, on a fait notre première édition. Cette année, le Gabon fera sa première édition de Miss Eco International et le Cameroun pourrait accompagner cette édition-là, ce qui est sûr. Voilà. Cela dit donc, chers téléspectateurs, retour sur le plateau. Nous pouvons vous dire que les choses se passent très bien désormais avec votre émission. C'est une production, il faut le noter, exclusive de l'agent de presse Camer Feeling. Nous vous parlions donc de la littérature, nous vous parlions du programme Regard. À l'instant, nous allons à la rencontre d'un grand monsieur. Sa vie autrement, c'est tout de suite. Monsieur Pabé Mongo. C'est parti. Chez lui pour mieux s'offrir à nous. Et sa vie autrement se raconte en clair dans ce partage. Merci de nous recevoir chez vous. Certainement, tout le monde a une origine. Votre origine à vous, est-ce qu'on peut savoir? Mes origines, si vous entendez par là mon identité, plus clairement, j'ai une identité plurielle. C'est un terme auquel... il faudra qu'on s'habitue. Les Camerounais ont des identités plurielles. J'ai désormais un village natal, en tant qu'origine, mais aussi j'ai un village d'origine. Jusque-là, je crois que pour beaucoup de personnes, les deux se confondaient. Chaque fois que quelqu'un parlait de son village natal, en général, ça aussi était son village d'origine. Mais chez moi, le village natal et le village d'origine sont distincts. Je suis né à l'Est, à Doumé, plus précisément dans le Oignon. J'y ai grandi, j'y ai fait pratiquement toute ma vie professionnelle, etc. Mais mon père est originaire d'Ayos. Ma mère est originaire de Ngelemunduka. Pour ceux qui connaissent la géographie de l'Est, vous voyez qu'il s'agit là d'un triangle équilatéral. D'Ayos, il prend sa forme en Ngelemunduka et les deux s'installent à Doumé. C'est un peu comme ça qu'est organisée mon origine. Et donc je suis, si pour employer les termes modernes, j'ai comme une double autochtonie. J'ai une double autochtonie. Et... voilà, je les vis maintenant, les deux. Et pour équilibrer, étant né à Doumé, je souhaite mourir maintenant à Ayos, c'est-à-dire à Niamvoudou. Je pense que ça équilibrera le destin que Dieu m'a confié. C'est un propos un peu testamentaire, mais il faut bien que de temps en temps, on sache que nous ne vivons pas de façon totalement hasardeuse et que nous avons des idées. C'est un peu ça. À côté donc de votre vie quotidienne, on a envie de dire que tout a une base dans la vie associative. Est-ce qu'on peut avoir une idée claire de votre vie associative? Alors, ma vie associative a été
disons, parallèle à la création littéraire. Parce que j'aurais eu une abondante création littéraire. Je suis à une quinzaine d'ouvrages, presque dans tous les genres, au moins 9 pièces de théâtre, si je m'en souviens. À peu près une trilogie romanesque, des essais, hein, l'Anolika, le voyage en Chine, etc. Et donc, mais pendant que j'écris, la littérature est un univers. Le monde de la culture est un univers. C'est vrai qu'on écrit en chambre, dans sa tour d'ivoire. Mais pour être connu maintenant, il faut sortir. Une fois qu'on a écrit, il faut sortir et il faut traiter avec les autres écrivains. Et c'est ça qui constitue notre vie associative. Et j'ai été donc passionné de la vie associative parce que ce n'est pas toujours facile de mobiliser les écrivains, n'est-ce pas, pour les... autour des causes communes. J'ai créé ou fréquenté de très très nombreuses associations littéraires, mais beaucoup vraiment. J'ai été membre de l'ADELF, j'ai créé l'Union des écrivains. ADELF ? L'ADELF, Association des écrivains de langue française, ouais. Dont j'ai d'ailleurs été nommé président de la section ADELF de l'Afrique centrale, du CEMAC. J'ai créé moi-même la NOLICA, la Nouvelle Littérature Camerounaise, en tant qu'association. J'ai créé l'association pour la solution par la culture quand j'étais à Ngaoundéré. Et maintenant, je suis le président de l'APEC. L'APEC, c'est l'Association nationale des poètes et des écrivains camerounais. C'est une très, très grande association. Est très prestigieuse. C'est l'une des plus anciennes de l'Afrique subsaharienne. L'APEC a le même âge que l'État libre du Cameroun, l'État indépendant du Cameroun, parce que l'APEC a été créée le 23 janvier 1960, c'est-à-dire à la même année que la déclaration d'indépendance du Cameroun, par des jeunes Camerounais, 8, qui n'avaient pas encore publié mais qui s'intéressait aux belles lettres et dont certains, Sengako, avaient quand même pu publier au moins un fascicule. Donc c'est une vieille association qui regroupait à l'époque tout ce qui est ouvrier de l'esprit. Tous ceux qui étaient des ouvriers de l'esprit, aussi bien les historiens, les ethnologues que les philosophes et les écrivains purs. Ils ne distinguaient pas encore ces familles parce qu'on était au début. Il se pourrait, hein, à moins que vous le confirmiez, vous ne vivez pas que des livres. Qu'est-ce qui fait votre vie à côté du livre? Oui, c'est vrai que quand on me voit, quand on m'entend parler, les gens ont souvent l'illusion que je ne vis que des livres, que je respire le livre, que je bois le livre. Non. La preuve, c'est que vous ne pouvez même pas être un écrivain, un vrai écrivain susceptible de nourrir l'intellect de vos lecteurs si vous n'avez pas une vie existentielle intense. Et la mienne l'est. Elle commence par la famille. J'ai une assez grande famille, déjà la famille nucléaire, hein, avec 8 enfants qui sont tous devenus des messieurs et des dames qui ont aussi leurs enfants. Nous avons un rituel. C'est que généralement, quelle que soit la dispersion, le dimanche, toute ma famille se retrouve ici, avec femmes, enfants et petits-enfants, ici. Et nous mangeons l'ombol. C'est notre mets, c'est un mets traditionnel que nous avons retenu un peu de façon symbolique, comme un mets maison. Tous mes enfants se retrouvent ici le dimanche à midi pour manger l'ombol. C'est comme ça. Et les bruits qui arrivent, l'un des tests, c'est qu'elles doivent apprendre à faire l'ombol. Comment est-ce que je vais aimer une brue qui ne sait pas faire l'ombol? Pour vous donner un exemple. Mais et nous avons, j'allais dire, des passions communes. Mes passions à moi, j'ai réussi aussi à les inclure. Nous adorons le contact de la terre. Le contact de la terre. Partout où nous nous retrouvons, nous avons toujours
un petit lopin de terre pour le jardinage. Alors, moi, je me spécialise dans les cultures vivrières. Derrière, là, vous allez voir, même quand on n'a pas d'espace, je mets des bacs pour cultiver le basilic, pour cultiver le céleri, pour cultiver tout ce que vous voyez. Les oignons. Et quand on a un peu d'espace, j'y mets la tomate, j'y mets le chou, etc. Ça, c'est ma passion de la culture, peut-être un peu alimentaire. Tandis que mon épouse, dans le même domaine, fait plutôt dans les fleurs. Donc, vous allez voir notre concession. Tout finit par devenir fleur, mais en fait, tout n'est pas fleur ici. Vous avez des fleurs, des décorations, mais les fleurs que vous voyez là-bas derrière, c'est de la nourriture. Maintenant, dans l'arrière-pays, dans mes deux villages, nous avons des plantations, des cultures pérennes. J'ai une cacaoyère modique de 5 hectares avec une bananeraie qui donne depuis des années. Mais aussi, nous avons des cultures saisonnières, le manioc, les arachides, etc. Et nous faisons une chose encore plus rare et non répandue, de l'élevage. Là, en contrebas d'ici, nous avons aussi acquis le marécage, le bord du fleuve. Nous connaissons la valeur du marécage. Ce n'est pas acquis dans notre zone. Mais nous autres, je ne sais pas où j'ai pris ce goût-là. J'adore le marécage où je fais la pisciculture, mais aussi un élevage adjacent. Là maintenant, vous allez trouver des porcs, vous allez trouver des poulets, n'est-ce pas, en ferme, et les étangs, qui sont des étangs de plaisance, parce que j'aime bien pêcher, etc. Donc j'ai cette vie familiale intense et associative. Je pratique une religion, notamment la religion catholique, qui me prend aussi sa part de temps. Et j'ai des engagements sociaux, en politique, par exemple. Et voilà. Son épouse nous en dit plus. Comment l'avez-vous connue, madame? Oui, parler de mon mari, c'est me demander un peu comme... C'est trop me demander, parce que c'est difficile de parler de quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant 42 ans. Et quand je le connais, il est sorti de cette vie religieuse-là. Il est un jeune délégué de 26 ans à Bertois. Et il est un jeune délégué, donc il est dans la vie active. Ça dit qu'il n'est pas, il n'a rien à voir avec les gens en soutane. Regard est aussi allé dans les appartements de l'un des fils de Pape Mongo. Professionnel de l'audiovisuel, le son est sa particularité. À ce jour, il a formé de nombreux jeunes au centre de formation professionnelle Don Bosco de Mimbouman. Nous sommes passés par lui et aujourd'hui, nous pouvons en témoigner. Parlez-nous de votre papa, Huberto. Vous a-t-il influencé dans votre choix professionnel? Alors, ma passion par rapport à l'audiovisuel, l'ensemble de l'audiovisuel, n'est pas directement née de papa. Il faut dire qu'à la base, je suis musicien. Donc, j'ai toujours fait de la musique. Depuis que j'ai 17 ans, papa m'a mis à l'école de musique. Et puis en grandissant, j'ai fait les mathématiques, j'ai eu un bac C, et donc il s'est rendu compte, papa, que je devais faire quelque chose qui avait trait aux mathématiques, mais qui était aussi artistique. Et donc, il m'a proposé à la fin l'audiovisuel que j'ai découvert au CFPA et Kounou, option son. Donc il n'a fait que renforcer quelque chose que j'avais déjà en moi, et il m'a bien orienté vers le chemin professionnel. Pape Mongo, votre père, en tant que fils, durant votre vie, n'auriez-vous pas un regard mitigé sur sa personne? Pape est un homme assez complet, entier. Ça veut dire que c'était un papa très doux, mais qui savait se fâcher. Donc, il n'a pas blagué au niveau de l'éducation de base, ce qui fait que lorsqu'il fallait sévir, on était puni, mais on sentait bien que c'était pas des sévices corporels, de ce genre de choses, c'est pas méchant. Donc, Pabé nous a très bien élevés.
Je pense qu'il a, il a toujours voulu qu'on fasse l'école d'abord. Donc c'est un peu ça l'homme, c'est-à-dire on avait un papa blagueur, rieur, mais qui savait être rigoureux quand il le fallait. Aujourd'hui, à mi-parcours, puisqu'il est encore vivant, les cuites sont encore solides, est-ce que vous pouviez dire ce qui n'a pas marché? On vous le dit qu'il était blagueur, quand il fallait frapper, frapper fort. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez dire où il vous titillait quand ça n'allait pas? Alors, je peux dire, s'il faut que je fasse une sorte de reproche à mon père, parce qu'on va dire qu'il est pratiquement parfait, il est presque parfait. Avoir un père comme celui-là, c'est une bénédiction. Mais... plateau, chers téléspectateurs, c'est dans ce magazine qui est désormais papier aussi regard. C'est un peu l'idée d'un jeune Camerounais qui s'est dit, il ne faut pas toujours qu'on se pose la question, qu'est-ce que notre pays a fait pour nous? Il est important qu'on se dise aussi quelque part, qu'est-ce que nous apportons à notre pays? Et qui dit Cameroun peut aussi dire Afrique. Posons-nous cette question, qu'est-ce que nous apportons à notre continent? Magazine regard, désormais dans papier. Et là-dedans, chers téléspectateurs, pour ceux qui sont mordus des écritures, sur que le Cameroun en a eu des grosses plumes. D'ailleurs, ils s'appellent comme des journalistes confrères, les écrivains. Dans Regard, vous saurez qu'il y a eu des Guillaume Oyonumbia, il y a eu des Angelbert Mvin, il y a eu des Achille Mbembe, Pabé Mongo, que nous venons de voir à l'instant. Il y a eu des Ferdinand Leopold Oyono, il y a eu des Patrice Caillot, il y a eu des Paul Dekeyo, il y a eu également des Were Were Liking. Beaucoup se sont expatriés, ont trouvé domicile ailleurs aussi, on ne dirait pas plus. Il y a Kalis Beyala, Mongo Betty, Gaston Polefa, ils sont très nombreux. La dernière, Djali Amadou Amal, qui a remporté plus d'un prix. Et il y a quelques jours encore, nous étions en communion avec Eugène Ebodé, qui aujourd'hui est président d'une chaire concernant la culture, l'écriture, le cinéma. Il reviendra au Cameroun forcément au mois de novembre, et ce sera du côté des Bamoun. On parlera Pangone, mais ce sera une culture riche du côté des Bamoun. Voyez-vous, chers téléspectateurs, c'est pas le florilège que nous essayons de partager avec vous, c'est un art. Écoutez, que personne ne vienne vous dire que vous ne pouvez rien. Avec peu, faites grand et faites votre travail. Votre travail à vous, c'est peut-être au soir de vos vies que ce soit des belles histoires que les gens puissent raconter à votre égard. C'est aussi vrai que tout le monde ne vous aimera pas parce que vous faites bien. Continuez à faire bien. Écoutez, je l'ai promis, nous l'avons promis, nous l'équipe aujourd'hui, que nous allons faire un détour du côté du Gabon. D'abord, c'était avec la première dame. Mais voici un événement que le Gabon attend à bras ouverts. Un événement qui est porté par le comité d'organisation de Miss Eco Gabon, qui, il faut le dire, je tiens à partager les choses. Il faut être partial, je veux dire impartial, parce que le Cameroun a organisé son édition de Miss Eco, le Gabon organise aussi son édition. Et l'édition du Cameroun a connu l'onction, et j'ai dit d'ailleurs, je ne dirai jamais assez merci à monsieur l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, qui a accompagné, qui était l'invité d'honneur, et qui désormais aussi sait que le Gabon pourrait, pourquoi pas, faire mieux, et le Cameroun pourrait accompagner le Gabon. L'envol de Miss Eco Gabon, on se la regarde la vidéo et juste derrière on se dit au revoir. A tout de suite. Angelina Triation et sa délégation avaient manifesté le désir d'organiser au Gabon le même concours. Avec joie, l'idée forte appréciée par M. l'ambassadeur qui recevra la délégation officiellement.
Madame la présidente du comité Miss Eco International du Cameroun, Madame la présidente du comité Miss Eco International Gabon, Madame la project manager de Miss Eco International Gabon, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que l'honneur me revient, une fois de plus, de vous recevoir dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon Cameroun pour une cérémonie qui fera date. L'objectif principal de ce concours étant de promouvoir l'importance de sauver notre planète en sensibilisant les populations à travers les actes citoyens, la protection des forêts, de la faune et de la flore. En bref, préserver le patrimoine naturel pour les générations futures, thème cher à son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba, permettez-moi de vous assurer de notre soutien. Je vous remercie. Gonflé à bloc, le comité peut reprendre le vol. Pour le Gabon, la project manager Multicard retrouve ses anciennes amours. Alors, Madame la Présidente, munie de sa licence et en train de prendre son vol, va prendre son vol tout à l'heure pour Libreville, en compagnie du consultant, M. Prince Emiraipi. Très bien. Tout est unique. Yes. Et c'est une première fois, chaque première fois, il faut faire des choses bien. Aussitôt arrivé, le chantier est lancé. Tout porte à croire que Miss Eco International Gabon connaîtra des jours meilleurs avec l'accompagnement du comité national Miss Eco Cameroun. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, on va finir notre émission en beauté avec cet élément du Gabon. Il faut dire que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais le Gabon aussi, c'est le Gabon. Tel que les choses passent au Cameroun, ce n'est pas de la même manière que les choses passent au Gabon. Nous osons croire que le Gabon saura mettre en avant cette initiative qui, pourquoi pas, chaque année fera un grand événement, non seulement concours de beauté, mais qui pourra également inviter non seulement la sous-région, le continent et pourquoi pas l'international, pour qu'on essaye autour d'une beauté, autour d'un défilé de mode, d'échanger concernant les secteurs de la mode au Gabon, pourquoi pas. Nous, on va accompagner. J'ai envie donc de dire merci à toute mon équipe en rappelant que samedi prochain, nous aurons une invitée qui est journaliste. Elle fait partie du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Elle s'appelle Nemachua. Oui, Sarah Nemachua. Elle est attachée de presse du festival L'Azimène du cinéma. Et évidemment, nous parlerons également des étoiles de l'édition camerounaise de littérature. Croyez-moi, le meilleur reste à venir pour nous. On a envie de vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui nous regardent en rediffusion, soit sur Internet, soit sur une autre chaîne. Parce qu'il faut le dire dès cet instant, au Cameroun, nous sommes sur la plateforme www.connectique.tv. Nous sommes également sur Mbiko TV, TV Channel et Mbiko, c'est le 200, je veux dire le 307. J'ai envie de dire bonjour ou alors bonsoir à un frère, l'homme du showbiz, qui fait son émission chaque jour de lundi à vendredi avec des patrons du flow. Il s'occupe du showbiz. Certainement, il nous regarde, il se reconnaît, hein, puisque nous regardons aussi de temps en temps son émission. Bonjour, bonsoir et au revoir.